Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo du second jour du calendrier de l'Avent de City. Et je vous disais il y a un instant qu'on se retrouvait demain, mais absolument pas, étant donné qu'on se retrouve tout de suite pour le second jour. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est situé ici. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, que tous les calendriers de l'Avent Lego ont leur numéro fixé au même endroit en fait. Hein. Donc, c'est parti. Mais non, 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 non! Tout d'abord, résumé, hier nous avons eu cette figurine, donc le pompier, et d'ailleurs je tiens à dire que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais alors soit c'est du orange, soit c'est du kit orange, je ne suis pas sûr, c'est très difficile à voir, je dirais que c'est plus du orange très clair que du kit orange en fait, hein. Mais en soi l'habit est joli, la tête je suis pas fan, mais l'habit est joli. Quoi. Et donc, le guest d'aujourd'hui, c'est une sorte de, alors vous connaissez la... Je fais tomber un de ces accessoires, c'est génial. Vous connaissez la compagnie qui la fabrique, vu que j'en ai déjà parlé. Donc c'est par Fans Project, et donc vous vous doutez tout de suite que c'est un transformeur, ou du moins une figurine transformable. Et c'est... alors j'ai même plus son nom, c'est Backfiery. Hop. Une figurine qui est censée représenter un Insecticon, donc, qui se transforme en... Mince, j'ai plus le nom. En un insecte, j'ai plus le nom du tout, donc voilà, va falloir faire ça. Et qui est très sympathique, c'est vraiment le seul des trois que j'apprécie vraiment, je pense. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté, j'étais super content. Et ils vont sortir des nouveaux moules avec celui-là aura une forme d'avion avec une nouvelle tête et tout, donc je le prendrai sûrement aussi d'ailleurs. Enfin voilà, c'était juste pour présenter la guest star d'aujourd'hui. Et ça me chatouille la jambe, c'est génial. Et donc aujourd'hui, on continue le calendrier de l'Avent avec. Ah, mais c'est plutôt sympa ça. Des accessoires pour notre pompier. Et je vois qu'il y a une pièce, deux pièces en plus plutôt cool. Ouais, c'est ça, deux pièces en plus plutôt cool. À moins que ce soit pas une pièce en plus et que je me trompe. Mais ah non, 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 absolument pas, c'est dommage d'ailleurs. Donc on va venir mettre ça comme ceci normalement. Ah non. Alors c'est. On place ça comme ça. L'autre, on la met ici. Là, on vient placer la petite brique orange. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je vais rajouter l'autre ici. Voilà. Comme ça, c'est symétrique, entre guillemets. Et donc, on a une petite tronçonneuse qu'on va pouvoir mettre dans la main du pompier. Mais je vais tout d'abord construire. Non, je vais peut-être plutôt enlever ça parce que... Comme ça, je vais garder ça avec mes pièces secondaires que j'ai placées dans le sachet d'hier, en fait. Voilà. Alors, on va lui mettre dans les mains. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer comme ça. Les goûts ont tout prévu pour que ce soit très simple, hein. Franchement. On va tourner la tête dans le sens de la tronçonneuse, tant qu'à faire. Et voilà, donc on a notre petit pompier qui a sa tronçonneuse. Qui est plutôt sympa, hein. Pour le moment pas trop de surprise étant donné qu'elle était montrée sur l'avant de la boîte, si je dis pas de bêtises. J'arrive pas à faire un focus, c'est génial, attendez. Voilà. Donc c'est bien du orange, hein, pas du rouge, le petit tonneau. Donc bah écoutez, ce jour est pas formidable, mais il est plutôt sympathique, hein, tant qu'à faire. Je dirais que ce coup-ci, c'est plutôt le calendrier City qui gagne selon moi, parce que je suis jamais été trop fan de figurines, comme je disais, parce que ça casse un peu la surprise de la construction et tout ça. Hop. Donc je remets, bah là en l'occurrence je mets le calendrier d'hier, étant donné que j'ai besoin de lui pour faire tenir la tronçonneuse. Et hop, je referme la porte correctement. Et voilà donc, bah écoutez, c'était plutôt sympa encore une fois, donc on va se retrouver demain pour la prochaine vidéo. Hein. Allez, à plus tard.